Bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. J'ai décidé de faire un tag parce que ça faisait longtemps et je me suis dit pourquoi pas, c'est rigolo. Et surtout parce que l'autre jour je suis retombée sur ce tag en regardant des vieilles vidéos de Nina Quill, je crois. Et du coup voilà, c'est parti pour le tag de A à Z. Donc A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Je pense que ça doit être J.K. Rowling pour Harry Potter parce que j'ai pas lu de série plus longue à moins que... Donc c'est soit J.K. Rowling pour Harry Potter, soit Meg Cabot pour Journal d'une princesse. B pour la meilleure suite de série. Alors, je lis pas beaucoup de séries, mais j'ai pas envie de redire Harry Potter puisque si je réponds Harry Potter à toutes les questions, ça va être chiant. Je dirais Le Dernier Souffle, donc la trilogie. Parce que franchement, j'avais pas l'impression de lire des suites en fait. C'est comme si j'avais lu un bouquin, mais j'en ai lu trois, voilà. Et en plus, ils sont gros, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir. Après, je sais pas si c'est juste mon impression ou quoi, mais j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir lu genre un tome de transition ou quoi. J'ai trouvé que tous les tomes étaient parfaits et vraiment, c'est. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir lu un livre quoi. C'est pour Current, donc la lecture en cours. Je l'ai pas à côté de moi, mais ma lecture en cours c'est Les sorcières du clan du Nord, donc le premier tome, Le sortilège de minuit, je crois que c'est ça. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors je suis pas. Enfin, il est rare que je mange ou que je boive quand je lis. Donc. Soit du thé, soit de l'eau, soit du jus d'orange. Ça dépend juste de l'heure en fait, mais j'ai pas de petites habitudes comme ça, en mode je me fais mon thé, je puis je lis, machin, parce que je lis un peu n'importe quand, donc voilà, ça dépend. E pour e-book, donc e-book ou roman papier. Alors sans hésiter, roman papier. Ça fait très longtemps que j'ai plus lu de e-book. Avant, je crois que j'ai commencé pour lire La Meute, donc la suite du Visiteur du Futur, qui au début était sortie que en e-book, et qui sortait partie par partie. Après, je l'ai acheté en papier, donc voilà. Enfin, voilà, en e-book, je lis vraiment que les choses qui sont sorties en e-book et que je veux vraiment lire. J'aime pas. Pas que ça me fasse mal à la tête ou quoi, ça, il n'y a aucun problème, mais c'est, j'aime pas, moi j'aime trop l'objet livre. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. C'est compliqué ça. J'aurais peut-être dû préparer mes questions. J'ai rarement des crushs en fait dans les bouquins. Donc c'est un peu compliqué. Je sais pas trop parce qu'en plus les personnages qui me plaisent maintenant c'était pas forcément les mêmes qui me plaisaient au lycée. Ben je pense qu'au lycée je serais sortie avec Poppy des sorcières du clan du Nord, mais que ça n'aurait pas duré longtemps, voilà. Et sinon dans mes rêves les plus fous, Luna Lovegood, voilà, on va dire ça. Mais franchement, ouais, c'est un peu compliqué comme question. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors, encore une fois, comme j'ai pas de mémoire, ça va être compliqué. Je pense que je dirais L'Herbe Bleue parce que à l'époque où je l'ai lu, je crois que j'avais jamais vraiment lu de roman sérieux, de trucs vraiment durs comme ça. Et donc je me suis un petit peu lancée dans l'inconnu sur les conseils de ma mère, je crois. Et vraiment, j'ai adoré. Enfin, ça m'a retourné, mais j'ai adoré. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Eh bien, j'ai envie de vous dire Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Ou alors un des derniers romans que j'ai lu là pour tous les garçons et les filles, parce que c'est vraiment un petit bouquin qui m'a beaucoup apporté. Et je crois que, enfin en fait si, je crois que j'en avais déjà entendu parler une fois il y a longtemps, mais c'est vraiment pas le... Enfin je sais pas du tout quel succès il a eu parce que je suis très rarement au courant de ça. C'est un petit peu la petite pépite que j'ai trouvée comme ça, donc... Voilà. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Donc,
C'est une histoire que je vous ai déjà racontée. C'est quand ma sœur est venue me voir et m'a dit Lise, maintenant tu vas lire des romans, des vrais romans, et on va commencer ensemble. Et elle m'a ramené le premier tome d'Harry Potter. Et du coup, on lisait alternativement un chapitre chacune à voix haute. Et on a lu comme ça les 3 ou 4 premiers tomes d'Harry Potter. Et ça, c'est vraiment un moment très important. J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai lu avant? Je crois que le livre que j'ai lu. Ah bah c'était Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. Donc voilà, je ne ferai pas plus de commentaires, je vous renvoie sur mon point lecture. K pour Kain, le genre de roman que tu ne liras jamais. Je sais pas, il faut jamais dire jamais. Parce que même s'il y a des choses qui sont moins mon truc, et ben on peut toujours trouver ce qui nous plaît dans chaque genre, dans chaque. Je ne sais pas. L pour longue, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. Alors là, il va falloir que je regarde mes livres. Moi, je pense que c'est clairement le tome 5 d'Harry Potter qui fait près de 1000 pages, donc 970, je crois. Donc voilà. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc trop plein livresque. Je sais pas si j'ai vraiment eu des pannes de lecture, je crois juste qu'il y a eu des moments où, dans ma vie où je me suis arrêtée de lire, mais si j'avais vraiment voulu, j'aurais continué. Mais ouais, je pense que le dernier livre qui m'a causé le plus, le dernier, c'était Le secret des tombes que j'ai lu il y a plus d'un an. C'était en septembre 2018, je crois. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce soit ce livre spécifiquement qui ait fait ça. Mais après, j'ai vraiment pas lu pendant des mois et bah, je l'ai toujours pas fini d'ailleurs en fait. Faudra que je le reprenne un jour. Mais pourtant, c'est un livre très bien quoi, je sais pas. N pour nombre, donc le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Donc j'en ai deux. J'ai ma bibliothèque avec mes romans. Et en bas, mes beaux livres et mes BD. Et à côté, j'ai ma bibliothèque de manga. Mais, enfin, quand je vous dis mes BD, là, c'est mes BD plutôt récentes, on va dire, parce que toutes mes BD d'enfance, tous les Astérix, les Lucky Luke, les Sylvain et Sylvette, tout ça, c'est dans l'ancienne chambre de ma sœur, parce qu'on savait, je savais plus où les mettre. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on va dire 2,5. O pour One, un roman que tu as relu plusieurs fois. Le roman que j'ai le plus relu dans ma vie à ce jour. Et non, ce n'est pas Harry Potter, mais le premier tome de Journal d'une princesse de Meg Cabot. Parce que cette série, c'était vraiment ma vie quand j'étais quand j'étais en début collège, je crois. Et même un peu avant, je crois que je les lisais depuis. J'avais commencé genre en CM2, quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais plus, je les avais récupérés de ma sœur en tout cas. Mais je les ai relus tellement de fois, et surtout le 1 du coup. Et je sais pas où ils sont passés. Ça m'énerve parce que je voudrais vraiment trop les retrouver, mais je sais pas où ils sont passés. P pour préférer, un endroit préféré pour lire. J'ai pas d'endroit préféré pour lire, mais bah, la plupart du temps je lis sur mon lit. Ou alors, quelque chose que j'adore faire, c'est lire dans le train. Mais ça, c'est parce que j'ai une passion pour le train. J'adore prendre le train. Et du coup, j'aime beaucoup lire dans le train. Mais en général, je mets quand même des écouteurs parce qu'il y a du bruit. Lire dans le train, c'est ma vie. Q pour quote. Alors, une citation ou un livre qui t'inspire, qui te fait ressentir plein d'émotions. Le problème, c'est que je ne suis pas hyper adepte des citations. Enfin, c'est-à-dire que je vais pas. Quand je lis un livre, je vais pas noter des phrases qui m'inspirent ou quoi. Enfin, il y en a certainement, en fait. Mais sauf que je les ai pas retenues. La seule citation qui m'a marquée dans un livre, c'est pas une citation inspirante qui me fait ressentir des émotions. C'est plutôt un truc un peu drôle. Et assez vrai. C'est la gauche dit que c'est la droite dit que c'est la crise.
Un poivreau affirme, preuve à l'appui, que c'est de la merde. Donc voilà, c'est dans Au bonheur des ogres de Daniel Pennac. Je sais pas pourquoi elle m'a marqué cette phrase, mais voilà, c'est la seule vraiment citation que je peux vous ressortir comme ça. R pour regret, un regret de lecteur. Ben j'en ai pas vraiment. Ça serait peut-être de pas avoir lu plus de romans jeunesse quand j'en avais l'âge. Parce que, par exemple, j'aime beaucoup L'Épouvanteur, mais je pense que ça m'aurait beaucoup plus passionnée ben, quand j'avais genre 11-12 ans. Mais sauf qu'à cette époque-là, je lisais des bouquins qui n'étaient pas forcément de mon âge. Donc voilà, j'ai un peu inversé la vapeur. Enfin, comme je lisais les bouquins de ma sœur à cette époque, je lisais plus des trucs un peu, enfin, souvent plus adultes, quoi, en tout cas en roman. Et du coup, ouais, peut-être ça. Série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Donc il y en a plusieurs, parce qu'il y a des séries que j'ai pas envie de continuer, comme Hunger Games par exemple. J'avais lu à 14 ans, je crois. J'avais bien aimé ma lecture, mais j'ai jamais voulu continuer parce que bof, voilà. T'es pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. 3. C'est pas beaucoup de 3. Je dirais Le dernier souffle de Fiona McIntosh, comme c'est étrange. Le petit prince. Obligé, Le petit prince. C'est... Ah bah voilà un livre que j'ai beaucoup relu aussi, Le petit prince. C'est peut-être ça que j'ai relu le plus de fois, parce que... Ouais, Le petit prince... Voilà. Et un troisième. Allez, je vais dire, et si les Beatles n'étaient jamais allés sur la Lune? Parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé et parce que j'ai mis mon pull Yellow Submarine, alors comme ça, on est dans le thème. U pour unapologetic. Voilà, on va dire que je l'ai bien prononcé. Quelque chose pour lequel tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Je vois pas pourquoi on aurait des remords à être fangirl en fait. En fait, je comprends pas trop cette question parce que vraiment, j'ai pas de remords à être fan de quoi que ce soit. Donc, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. J'attends rarement des sorties parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand je me lance dans une série, tout est déjà sorti. Et pour les one shot, je suis très très rarement au courant de ce qui va sortir ou pas parce qu'en général, je lis les livres 4 ans après tout le monde. Mais je dirais que c'est le tome 2 de Magic Charlie. Alors je ne suis au courant de rien, je ne sais pas du tout s'il y a déjà des dates, si machin, quand est-ce qu'il est censé sortir ou quoi, mais j'ai trop hâte de lire la suite de Magic Charlie. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Oh il neige. C'est trop bien. Pardon, c'est la petite parenthèse neige. Putain, je vais penser qu'à ça maintenant. Donc effectivement chez moi le 7 novembre il neige. Ma pire habitude livresque, ce serait plutôt les achats impulsifs. Voilà, je pense que ça c'est clairement ça. Hein, et je pense que je ne suis pas la seule concernée. X pour X. Donc commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 10e livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est Le monde de Charlie de putain, Stephen Jbosky. J'arrive jamais à le dire, c'est terrible. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Y pour Yo, ton dernier livre acheté. Ben, la dernière fois que j'ai acheté des livres, c'était. C'était au fameux à la fameuse foire aux livres là et du coup ben j'en ai pas acheté un seul, j'en ai acheté 10. Et comme j'ai pas envie de vous faire un book haul tout de suite, je vous renvoie sur le book haul qui est sorti. Z pour Z. Donc le livre qui t'a volé ton sommeil. Le livre qui t'a volé ton sommeil. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Il faut dire que à une époque, je faisais vraiment des nuits blanches tout le temps, que je passais souvent à lire, mais maintenant plus trop. Et le dernier livre qui m'a vraiment tenu éveillé, je pense que c'est Doctor Sleep, parce que
J'avais beau vouloir me coucher tôt, j'avais du mal à arrêter. Donc voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il ne sera pas trop long. En tout cas, j'essaierai de faire en sorte de le raccourcir au maximum au montage. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien amusé. Même si c'est pas le genre de vidéo que je préfère faire, j'aime bien en faire de temps en temps parce que c'est rigolo. Donc voilà. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye!